SNK. Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous parler du Mister FPGA et plus particulièrement du Mars FPGA. Actuellement, il y a un salon qui se déroule en Floride du 17 au 19 novembre et on peut voir donc ce produit en démonstration sur les stands. Le salon s'appelle le Free Play Florida et donc il se terminera ce soir. Donc on peut voir que CoinHop ainsi que RetroSync et d'autres marques sont de la partie pour présenter donc divers produits dont le Mars FPGA qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc il y a vraiment beaucoup de choix et beaucoup de support pour tester leurs produits sur le stand, ça a l'air vraiment excellent. Donc nous on va regarder tout de suite ce que propose le Mars FPGA. Donc là on voit le premier corps qui tourne dessus, donc le jeu se nomme Amaterasu, ça a été fait par Nishibitsu en 1986. Et là on peut voir le Mars FPGA. Il y a aussi un grand écran 4K pour montrer, je pense, les capacités des produits et des machines. Donc là on voit en gros plan, je pense que c'est du RetroSync avec le Core MVS ou Mister FPGA derrière. En tout cas l'image est d'une excellente qualité sur un écran 4K. Et on passe au vif du sujet, donc dans le détail on va voir exactement comment est le Mars FPGA. Donc là on voit la PCB, ça a l'air vraiment imposant et assez volumineux, donc toujours sur le même jeu Atelas, avec un stick Neo Geo branché, je suppose, en snack directement, et sorti avec une prise VGA, je suppose aussi, sur le produit. Donc là je vous remets quelques images du Mars FPGA qui est branché et installé. On voit que la connectivité est aussi en USB-C, j'ai l'impression. Et ça, c'est donc un autre gros plan du produit pour voir chaque composant et tout ce qui sera disponible dessus. Et là, on voit le dos du Mars FPGA, donc pareil, on voit tous les composants installés. Le produit a l'air déjà bien abouti et assez fidèle à la qualité qu'on voyait depuis le début sur Internet. Donc on voit, il y a des diodes, il y a des prises USB, USB-C, etc. Vraiment, ça a l'air d'être excellent, je suis impatient de découvrir ce que ça va donner. Je vais vous mettre plusieurs autres images du Mister FPGA sous tous les angles, comme ça vous pourrez mettre en pause et bien regarder chaque composant si ça vous intéresse et voir vraiment avec précision ce qu'il y aura dessus. Moi je suis vraiment très hypé par ce produit. Bon, malheureusement le prix s'annonce dans les plus de 600 € ou dollars je crois, donc ça reste quand même une somme très importante. Mais ils promettent qu'on puisse jouer aux jeux de console et aussi tout ce qui est jeu d'arcade et dans des conditions encore bien meilleures que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un Mister FPGA. Donc là on revoit le jeu, donc Amaterasu, et quelqu'un est en train de faire tourner le jeu, ce qui est tout le premier corps, je vous le rappelle. On aurait bien aimé voir d'autres corps ou d'autres jeux tourner dessus, mais pour l'instant on ne se contente que de cette vidéo, mais c'est déjà très bien. Et ça va motiver donc les gens à suivre le projet, je suppose. Je vais vous laisser avec les specs du Mars FPGA qu'on voit sur la gauche. Vous pourrez aussi mettre en pause pour voir exactement ce que ça propose. Et on voit vraiment qu'il y en a sous le capot et qu'il y aura de la puissance avec ce produit à venir. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo ou pas jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a intéressé et moi je vous dis à très vite sur la chaîne, allez ciao !